Bonjour, bienvenue sur Agus.fr pour découvrir la nouvelle Audi A4 2015. Cette quatrième génération d'Audi A4 se distingue par une calandre beaucoup plus basse, beaucoup plus large, avec une face avant qui rappelle un peu l'Audi TT, des feux très marqués avec ce contour en Z et cette technologie Matrix LED qu'on avait autrefois sur l'Audi A8 et maintenant qui descend en gamme sur l'A4, et surtout par des plis de carrosserie très marqués. On voit ici la découpe du capot qui revient sur le bord de l'aile et va jusqu'ici en fait. C'est des formes simples, sobres et parfaitement maîtrisées. Je vous propose de venir à bord du véhicule pour découvrir les nouvelles technologies embarquées. Si la robe de la nouvelle Audi A4 a évolué par petites touches, en revanche à bord c'est la révolution. Il y a un tout nouveau tableau de bord qui est traité à l'horizontale et puis une débauche de technologie avec le virtual cockpit qu'on a vu dans l'Audi TT. Donc il n'y a plus de compteur, tout est digital, avec des menus paramétrables. Une nouvelle interface multimédia ici avec cet écran qui est rapporté. C'est une première chez Audi parce qu'avant les écrans surgissaient de la console centrale, maintenant c'est plus grand. C'est comme chez BMW, comme chez Mercedes. Ça permet d'avoir des éléments qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus lisibles. Et puis dernier point, cette commande de climatisation qui est tactile. Lorsqu'on approche le doigt, le menu se met en place et ça permet en fait d'avoir plus de commandes, plus de fonctions pour un côté beaucoup plus high-tech. Cette nouvelle Audi A4 est beaucoup plus accueillante que l'actuelle. Il y a plus d'espace au niveau du toit, plus d'espace au niveau des jambes et plus d'espace en largeur. Ça lui permet de revendiquer, d'être le modèle le plus logeable de son segment. Donc face à une BMW série 3 et à une Mercedes classée, normalement c'est à l'arrière de celle-ci qu'on est le plus, qu'on peut voyager de manière la plus confortable possible. Cette nouvelle Audi A4 sera commercialisée à partir du mois de novembre 2015. Il y aura 4 moteurs diesel de 150 à 272 chevaux et 3 moteurs essence de 150 à 252 chevaux. À bientôt sur l'Argus.fr.